Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 236 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Race 07. On va changer un peu de catégorie, on va jouer à un jeu de voiture, un jeu de course. Oh là, le son est ultra fort dans mes oreilles. Je vais galérer, bon c'est pas grave. Vous vous inquiéterez pas si je parle un peu en coupé. Donc voilà, on voit que c'est un jeu de course, on va passer la cinématique, ça n'a pas l'air de marcher à la manette. Donc on va pas jouer avec la manette du coup. Appuie sur une touche. Alors qu'est-ce que je peux faire? Je ne connais pas du tout le jeu, je n'y ai jamais joué, je sais même pas du tout si c'est facile ou pas facile ou quoi que ce soit. Alors on va dire un week-end de course complet, on va se faire un petit week-end à Pau. Voilà. On va aller à Pau en passant par Caen. Ouais, en plus ça a l'air sympa. Je savais pas qu'il y avait des courses à Pau. Qu'il y avait une piste en tout cas. Et qu'est-ce que c'est que l'événement? J'y connais rien. Tiens, en mini, tiens. Et alors par contre, est-ce que je peux choisir une voiture française? Ça existe ou pas les voitures françaises? Non. non, c'est voilà. Voilà. Bah, une Suisse, tiens. Une petite Suissounette. Celle-là, elle est mignonne, celle-là. Ah bah oui, on peut regarder les voitures sous tous les angles et tout. Bien. En dessous, non. Bon, ça sert un peu à rien. BMW Mini Cooper. Allez, continuons. Tour de course. Temps de 3. Attends, on va mettre 3 tours déjà. Nombre d'adversaires. Force de l'adversaire. Ok. Boîte automatique, ouais. Puis on va essayer de commencer. Je sais pas du tout ce que c'est les touches, mais j'imagine que c'est le clavier. Ouais. J'imagine, je prépare mon clavier. Voilà. Alors pour l'instant, niveau interface, ça me donne pas super envie d'y jouer. Hein. Niveau des menus, tout ça. Ça a l'air beaucoup plus simulation que jeu. Faire un tour d'essai chronomètre. Non, je continue. Alors, faut que je sélectionne un truc ou pas. Démarrer la course. Appuie sur entrée. Contrôle, hop. Oula. Donc ok, c'est bien ce que j'avais dit, c'est clavier. Est-ce qu'on peut changer la vue? Non. Le temps qu'il met pour changer de vitesse. Ouh. Bon, alors premièrement, j'aimerais bien changer la vue parce que je m'en fous complètement d'être à l'intérieur. Ok, on peut regarder sur les côtés, on peut regarder derrière. On peut regarder là. Alors le but, voilà, ça a l'air d'être beaucoup plus de la simulation qu'autre chose. Est-ce que je suis à l'endroit? Ou est-ce que je suis à l'envers? Je ne sais pas qu'est-ce que je suis en train de faire. Mais j'ai l'air d'une grosse merde dans ce jeu-là. Alors, on va y aller. Il doit falloir savoir. Allez, c'est quand tu veux que tu passes la marche arrière. Et la marche avant. Allez. Soyons ouf. Non, tourne. Ouais, mais il a pas l'air d'arriver à tourner. Yo. Il faut que j'aille où là? Je crois bien que je vais pas finir premier. Ah
Je crois que je suis nul. Je crois que je suis nul. Je crois pas que je vais avoir un bon avis sur ce jeu. Alors, est-ce que parce que je suis nul ou est-ce que parce que c'est totalement incontrôlable? Moi, je suis amateur des jeux de course où, bon, bah voilà. Où tu fais la merde. Putain, il t'indique deux directions en même temps. Est-ce que vous avez vu ça? Putain. Je crois bien que j'ai pas gagné. J'aime bien les jeux de course où c'est que, bah, faut pas trop de réfléchir non plus, même si ça doit être un peu réflexe et technique. Que là, là, je suis en train. Je suis en train de pas gagner du tout et en plus, je m'amuse pas du tout. Tourne très très mal en fait, hein. Y a rien à faire. Hein. Bon, après, c'est normal, j'arrive à 150 dans le virage. Bon. Je peux comprendre que ça ne marche pas vraiment. En tout cas, pour l'instant, c'est quand même bien la merde. Hein. Tiens, je vais regarder derrière. Je sais plus comment on fait. Voilà, c'est pas mal ça derrière. Aïe. Ouh, je suis arrivé à passer un virage. Mais j'ai ralenti avant, tout simplement. Ah, je crois bien que les voitures de derrière commencent à me rattraper. J'aimerais bien changer de vue, s'il vous plaît. Merde. Merde, j'ai appuyé sur une touche. Qu'est-ce qui s'est passé? En pause. Continue. Qu'est-ce que c'est que ça? Fuck! Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bug? Vous avez vu ce bug ou pas? Oh non! Bon, ben ouais. Ouais. Je crois qu'on va recommencer ou. Nouveau départ. Voilà, voilà. On va se faire une course, toujours. Hein. Ah, ça a l'air d'être un peu mieux. Donc, allez, on va repartir sur de bonnes bases. Puis on va essayer de. On va essayer de pas finir dernier, dès le début en tout cas. On va essayer de se la jouer un peu moins bourrin, histoire de pouvoir... En fait, elles sont pas du tout rapides, mes adversaires sont pas rapides, c'est juste moi qui suis très très mauvais. Parce que si tu passes les virages à plus de 50 km/h, bah tu vautres ta bagnole. Allez, passe ta vitesse, t'inquiète. T'inquiète, tout va aller bien. Et je suis pas dernier, regardez, je suis 16ème sur 24. Hey, je
Je commence à comprendre comment on joue. Faut juste que j'arrête de prendre des virages à 90. En fait, c'est un jeu réaliste, en fait. Hein. C'est plus de la simulation, hein, comme je disais. Sinon, ils auraient misé sur le côté joli, que là, bah, là c'est juste dégueulasse. Hein. Graphiquement, vous avez vu où je suis. Hein. C'est juste pas possible. YOLO. Hey. On s'en sort bien. Presque. Vous avez un problème de suspension. Non, j'ai un problème de joueur. Je suis juste mauvais, c'est tout. Y a pas d'autre explication. Et vous voyez, j'ai réussi à faire un tour. Ouais, je crois. Oui, c'est ça. Oui. Bon, j'ai réussi à faire un tour, c'est plutôt pas mal. Je trouve ça bien. Donc je vais essayer d'en faire un deuxième. Regardez, je suis 15e. Je trouve ça bien aussi. Sylvanus, et je suis... Là, j'aurais dû mettre une majuscule à Sylvanus, c'est un peu... C'est un peu moche. Oh putain. Et ben heureusement que je suis pas avec ma voiture. Ça va qu'ici il est... Ça va, il est pas trop violent ce virage. Vous avez remarqué que c'était la première fois que je passais ce virage sans me viander. Moi je... Voilà. Je veux dire... Voilà. J'ai envie de dire que c'est plutôt pas mal. Je vais doubler. Oui, je t'ai doublé. Non, il faut que je ralentisse parce que c'est un putain de virage de ouf. Allez. Vous avez vu la tête que j'ai, que je suis concentré, c'est un truc de fou. Ah, dans ton cul, je vous ai niqué. Oui, je les ai doublés. Ah, ça c'est bien ça. Yup. Regardez ça, ça c'est de la maîtrise, ça c'est de la maîtrise, mon petit. Ça c'est de la maîtrise. Je défonce ma voiture, mais c'est de la maîtrise parce que je suis 10e. Et que j'ai peut-être une chance de pas finir trop dernier. On respire, c'est la ligne droite. Allez, on se reconcentre pour le 3e tower. Ok, d'accord, donc là, voilà. Non, là, je peux pas le passer à tous les coups, hein, voilà. Il n'y a pas de nitro, par contre, hein, voilà. On n'est pas, dans une course de rue, voilà. C'est juste des voitures de sport. Et donc, faut juste savoir conduire pour y arriver. Donc, je me suis fait griller parce que je me suis tapé là, hein. Nom de Dieu. En fait, le plus long, c'est pour se sortir des virages. C'est pas avec ma voiture, moi, je passe l'arculon et puis voilà, quoi, enfin. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression, mais là, on... Ça va très très vite dans le jeu, en fait, hein. On n'a pas l'impression d'avoir la vitesse, et pourtant les voitures sont à 90 en que dalle de temps. Regardez mon compteur. Je suis à 90. Je suis à 100, déjà. Et là, on n'a pas l'impression d'être à 100. Après, ouais, du coup... Mais alors, je sais pas si ces circuits-là que je suis en train de faire sont des vrais circuits, du coup, parce que comme il nous dit qu'on est à Pau, et comme ça a l'air d'être de la simulation, est-ce qu'on est dans un vrai circuit qui est vraiment emprunté par des courses automobiles, sportives, en tout cas. Ah, mon Dieu. Mon Dieu. Alors là, voilà, faire demi-tour sur la route. La route est pas assez large pour qu'on fasse demi-tour, donc il faut passer la reculon, l'avant, la reculon. L'autre, il met sa vie pour passer les vitesses. Et je suis toujours 16e sur 24, donc c'est vraiment qu'il doit y avoir des putains de grosses bites. En guise d'IA, quoi. Yo. Là, c'est dommage, tout à l'heure, j'avais une bonne position. En tout cas, mon deuxième essai, je trouve qu'il est
mieux que le premier. Voilà, on va passer la ligne d'arrivée 16e sur 24. Ça va. Je le vis bien. J'ai juste fait 20-40 secondes de plus que le premier tour. Je me suis pas meilleur entre les deux tours, mais entre les deux courses, oui. Sachant que la première course, j'ai pas pu la finir. Faut vraiment que je débranche ma manette, parce que ça ne sert à rien, la manette, sur ce jeu. Ce qui est dommage aussi, d'ailleurs. J'aurais bien aimé qu'on puisse... J'aurais bien aimé qu'on puisse... comment ça s'appelle ? Abandonner la course. J'aurais bien aimé qu'on puisse jouer avec la manette, ça aurait été vachement bien, quoi. Moniteur de performance. Non. Championnat. Participer à un week-end. Allez, on va passer à Valencia. On va se faire une deuxième petite course. Cette fois-ci, on va pas rouler en mini, on va rouler en... Voilà, il n'y a pas de voiture française comme d'habitude. Hein. De toute façon, la voiture française, ça fait pas la course. Et là, on est dans des petites Formule 1, ça va être énorme. Allez, on va commencer la session. On se fait cette petite course-là, et on va, je pense, arrêter après, parce que, bon, bah, voilà, vous en avez vu, c'est un jeu de simulation. Il faut pas conduire comme un bourrin, c'est pas fait pour ça. Moi, j'aime bien conduire comme un bourrin, donc déjà, j'aime pas ce jeu, voilà, personnellement, à titre personnel. Continuer, qualification, démarrer la course, et c'est parti. Alors c'est pas nous qui commençons, hein, voilà, on a le contrôle uniquement après la ligne d'arrivée. Donc voilà, j'ai le contrôle. Alors j'imagine que ça va avoir rien à voir avec ce que je viens de faire, hein, en termes de précision au niveau du virage. Ok, il me dit 3 heures à l'avance qu'il va y avoir un virage déjà. Ah, ça fait plaisir de s'entendre en F1. Bon, le son est super fort. Hein. Je me suis mis bas. Et j'ai déjà le son très très fort. Ce qui fait que normalement au montage, je devrais pas mal baisser le son. Parce que sinon, il va couvrir ma voix. Alors là, il y a un virage violent. Mais du coup, je sais pas s'il faut mieux les prendre ou pas qu'avec l'ami. Putain. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Qu'avec la voiture de... Comment je sors de là? Vous connaissez l'histoire du mec qui tourne sur lui-même? Eh ben dis donc, c'est une histoire sans queue ni tête. En fait, j'essaye de voir, en fait, je me lève, ça sert à rien parce que mon écran, de toute façon, je ferai pas mieux. Mais j'essaye de voir ce qui m'attend, en fait, à l'avance. Bon, là, par contre, je suis 24e sur 24e. Donc là, on peut dire que je suis mauvais. Hein. Il n'y a pas de souci pour ça. Oui. Ah, je me sens bien. Je suis tout cac, je suis toujours 24e, mais je prends les virages à peu près bien. Ah non. Oui, peut-être. Oui, non. Oui, on touche pas les murs. Non. Alors là, on va essayer de rejoindre la route, hein, parce que voilà, c'est tout simplement pas possible de tourner sur le... Sur le gravier. Enfin, sur le... Ouais, sur le truc sableux. Ok, on triche. Allez, à l'aise. On va pas prendre des virages, ils sont pas fous. Ah non, je fais qu'un tour sur 5. J'aurais pas dû laisser 5 tours. Je crois qu'on arrêtera avant les gens. Parce que de toute façon, j'ai pas d'adversaire autour de moi. YOLO la mouchette! J'ai failli tuer un mec.
mais ça va plus vite pour tourner comme ça. Vaut mieux foncer dans les murs. On remarquera que la voiture de F1 ne s'envole pas quand on tape les murs. Hein. Comme, pas comme l'autre de, hein, de rallye là. Et regardez, c'est beaucoup plus simple quand on tape dans les murs. C'est pas une connerie. Bon, par contre, je crois qu'on est désavantagé hein, quand on va dans les. Quand on fait du hors-piste. Regardez, qu'est-ce qu'on s'emmerde à prendre les virages. Ça sert à rien les virages. YOLO, et hop, c'est reparti. Et ben voilà. Pénalité, oui, c'est bien ce que je pensais. Une petite pénalité au dos. Ça peut pas faire de mal, étant donné la place où je suis. Pénalité, stop and go. Coupe circuit. Circuit coupé, enfin, ouais. Ouh. Ça me saoule, là. Voilà, j'en ai marre. Et je pense que vous, vous en avez marre. Si moi, j'en ai marre, vous en aurez marre en regardant cette vidéo. Seigneur, c'est nul. Voilà, ce jeu est nul. Je veux pas faire de la simulation. Allez, on fonce dans un mur et on arrête, là. Ah non, tu vois, même en fonçant dans les murs, j'arrive pas à perdre. Est-ce qu'on peut faire de la reculon? Non, marche pas. Allez, on va s'arrêter là sur cette magnifique course qui nous aura apporté beaucoup de choses, c'est-à-dire de l'ennui. Voilà. Donc, Race 07, c'est un jeu pour ceux qui aiment la simulation. C'est pas un jeu pour les gens comme moi. Apparemment, on peut faire du rallye, on peut faire de la F1, on peut faire pas mal de choses. On peut même rouler sur des circuits français, ça peut être intéressant. Par contre, faut pas s'attendre à avoir des graphismes de ouf, hein, comme vous voyez là, le paysage. Ça, voilà, c'est pas... Ah tiens, d'ailleurs, mes amis vont pas tarder à passer devant moi, je les entends. Attention, on va voir que les gens ne me rattrapent pas. Ouais, bah ils doivent être quelque part. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, non ? Bientôt pour une prochaine vidéo. Vous aimez si vous aimez, vous likez si vous likez, enfin, vous partagez si possible si vous aimez. Vous vous abonnez si vous voulez vous abonner, et c'est sympa pour suivre les prochaines vidéos. Et on se dit à la prochaine, dans pas longtemps, en général le lendemain. Pour l'instant, on est dans une période où beaucoup de jeux. Allez, à plus !